Mercredi 12 février, Jean-Marc Grincourt et Martine Tellier de la Croix-Rouge française étaient présents dans les locaux de l'association Ex-Événements pour former une dizaine de personnes aux gestes qui sauvent. Pendant une heure, les formateurs ont expliqué comment sécuriser le lieu d'un accident, comment apprécier l'état de la ou des victimes, comment demander de l'aide et surtout comment dispenser les gestes de premier secours de façon calme et non précipitée. Cette formation est dispensée dans toute la France par les délégations de la Croix-Rouge française. Déjà, avant, on sort. On met son gilet, on le triangle, et après on voit ce qui se passe. On va écouter sur la protection à passer à l'alerte. En sachant que si vous êtes perdu sur un accident de la route, vous êtes le 100 boules ou le 15 ou le 18 ou le 17, c'est tout. Forcément, après sur l'accident de la route, il peut y avoir plusieurs victimes. C'est très important de dire s'il y a plusieurs personnes. S'il y a une personne, c'est vrai, mais s'il y en a 5-6, alors c'est pas une priorité. Et des fois, ça peut faire l'appel d'air, ça peut faire l'air pareil, la corde, comme disait la dame, ça peut faire beau. Dans les appartements, il y a des choses comme ça, il faut prendre des draps, il faut mouiller les draps et il faut les mettre sur les joints de porte, voilà, sur les portes, ouais. Pour éviter que le feu arrive et si possible. Là, on va procéder, moi je vais vous faire ce qu'il faut faire en cas de. Donc, s'il y a une personne qui est par terre, la main ici là, on va faire un basculement en tête, donc forcément. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc là, basculement en tête, la tête est comme ça, forcément, la langue était là, là la langue. On va se libérer. Quand on bascule, on ouvre la bouche et là on vérifie pendant 10 secondes ou au thorax pour voir si ça rend. Là on masse entre 5 et 6 cm. Je ne sais pas si ça fait entre 5 et 6 cm. Je dis la porte, tout simplement. Voilà, donc c'est considéré comme ça. Donc là, ouais, vas-y. Continue à masser et toi tu poses. Voilà, donc là on va allumer sur le bouton vert. Donc, ça c'est un semi-automatique, c'est pas un automatique. Donc lui il va pas. Appliquez les électrodes sur la poitrine du patient. Branchez le câble. Donc là, on a deux patchs pour tout simplement tout marqué dessus. Là, c'est bon. Je vous recommande, éloignez-vous. Choquez maintenant. Appuyez sur le bouton, mais vous choquez. Là, j'ai pas le bouton, je vais choquer. Choc délivré. Situé 109 boulevard Wilson à Aix-les-Bains, la Croix-Rouge française tient sa permanence les lundis de 14h à 18h et les mardis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h.